Alors bonjour, je voudrais vous présenter le nouveau Rocola 447, donc deuxième version du son prédécesseur, donc l'original 447, toujours donc version Hi-Fi. Je vous explique courant ce petit film pour les raisons pour lesquelles j'ai dû changer le design de celui-ci. Donc en fait tout démarre donc d'une première restauration de son prédécesseur, donc le 447, qui une fois restauré, je m'aperçois que en fait la caisse en dessous est en train de s'affaisser et de pourrir. Donc consultant des spécialistes, bien sûr c'est irrécupérable si ce n'est que de remettre une autre planche de bois. De casser cette partie en fait complètement pourrie et donc refaire le fond de la caisse, bien sûr hors de prix, même avec un peu de bricolage ou quoi, je n'aurais pas su y arriver. Donc j'ai pris la décision en fait de le changer complètement, donc changer la caisse. Donc voici la nouvelle caisse, totalement repensée, remodelée pour dire qu'ils prennent moins de place, donc plus monter en hauteur, donc moins large, beaucoup moins large, donc on gagne facile une bonne un bon petit mètre au niveau de la longueur, moins bas, moins fastidieux pour se pencher, faire des réparations, des changements, tout ça, donc vous pouvez voir que il n'est pas fini, le panneau du dessus reste encore à faire, donc bien sûr qu'il sera aussi amovible. Donc là, juste une planche classique pour tenir le clavier, mais qui fera partie en fait de la pièce du panneau avant, pardon. Donc le panneau de façade s'ouvre comme son ancien, par le devant, donc pour accéder bien sûr à toute la mécanique qui se trouve. Donc voilà, tous les câbles, l'ampli, le boîtier d'alimentation, le computer, on va se la faire à l'anglaise, tant qu'à faire, et les haut-parleurs avec les filtres. Donc les haut-parleurs bien sûr on fait depuis l'ancien, car eux aussi ont un petit peu morflé durant la dernière transformation, durant cette transformation pardon. Donc voici repenser donc du coup avec pas fermé. Voilà. Donc repenser avec une vitre de devant, du plexi. Comme vous le constatez, très très solide. Du plexi de 5 ou 7 mm, je ne sais plus, pour garder justement une solidité quand même et éviter ainsi des mauvaises vibrations lors de son fonctionnement. Donc là vous pouvez voir le porte-étiquette toujours d'origine, vous voyez bien la place, le gabarit pardon du jukebox qui fait 73 centimètres de longueur. Après en hauteur je crois qu'il fait à peu près 1m40 ou 50, je dirais peut-être plus 1m50, et à peu près donc que je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près 80, non pas 80, des bêtises, donc il fait, je sais plus les mesures, 60 je crois, à peu près 60 cm de profondeur. Donc voilà, voilà le nouveau modèle du Rocola, donc tout de suite pour vous en test. Donc on va sélectionner un titre.
dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Donc vous avez pu assister comme quoi que la machine tourne encore très très bien. Alors, donc après une restauration si fastidieuse qui a duré quand même un an avec donc l'ancien modèle, le modèle d'origine donc voilà. Vos conseils en commentaire sont les bienvenus, savoir si vous appréciez ou pas, donc sachant que il y aura des moulures, ça sera peint en noir laqué. Je cherche aussi également un graffeur pour me faire des jolis dessins dessus, pour lui donner le petit côté moderne que je souhaite lui faire faire. Pas dans le style jukebox des Rocola qu'on connaît, donc je voudrais un beau graphe
un beau tag. Si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires sur la page YouTube, juste en dessous. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà. Dans le plaisir donc de vous donner la vidéo finale par la suite. A plus.